bonsoir à tous, ici Pixar Gaming sur une nouvelle vidéo de l'Appel de Cthulhu ou Call of Cthulhu en anglais. Dans la toute dernière vidéo, j'avais vraiment été happé par l'aspect horrifique du jeu, donc je vous invite à aller voir la dernière vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Et là on va reprendre donc tout de suite. Donc Institut Riverside encore, je trouve que déjà dans le jeu on y est assez souvent, mais bon bref. Alors, le livre a projeté Pierce dans le corps du docteur Colden. Le détective a assisté impuissant à l'enquête menée par l'ami de Bradley. Confronté aux expériences de Fuller, elle s'est introduite dans son bureau et a découvert que le directeur de l'Institut Riverside cachait des informations, si ce n'est le cadavre de Sarah Hawkins. Mais elle a été découverte par Fuller. Pierce doit la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Sauf que ça, en fait, on le sait déjà. Elle est morte. En tout cas, moi, je l'ai vue plus ou moins morte. Et surtout, on sait que Sarah Hawkins est bien vivante, c'est ce qui était dans la dernière vidéo. Donc au final, je me demande ce qui va se passer, mais en tout cas, c'était très psychédélique et c'était assez horrifique. Vraiment, le jeu a bien saisi l'ambiance Lovecraftienne et je trouve ça trop cool. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. What the? Oh no. This way. Ah oui, il faut courir. D'accord. C'est vrai que dans ce jeu, j'ai jamais trouvé la touche qu'il fallait pour se battre, alors qu'en fait, on a la capacité force. Donc bon. Wait. The machine. It's the green, the decaying one. The gas. Yes. It's not good for living beings. We don't have time for that. I am not moving until the wrong is set right. Damn it. D'accord, donc il faut faire quoi? Elle veut qu'on fasse quoi? Qu'on casse la, qu'on sabote la machine, quoi, c'est ça? Hmm. Ben on va faire ça, on va voir. Hmm. Ah, peut-être pour ça, du coup, la force. I'd be better off finding a tool. Je ferais mieux de trouver un outil. D'accord, ben on va le chercher l'outil, du coup, puisqu'on a que ça à faire. Ah. Perfect. Tisonnier. All right. That should do it. Let's move. Where the hell do you think you're going, woman? I'm your puppet no more. You bastard. You're my wife, my wife. You owe me obedience. Leave her alone. We're leaving this crazy island. You are going nowhere. Don't get between me and my wife. Oh là là. Mince. Vous êtes incapable de la protéger, vous n'avez pas de futur avec elle. Throwing her in this rat hole. I hid her well enough. You let Fuller play with her. Stop. I did everything I could to protect her. But her identity, her power, is what threatens her.
What? Sarah has seen things, has made things you can't even begin to imagine. Would you still save her if I told you that she is even more dangerous than I am? Ah bah j'ai que ça à faire. Je suis désolé du coup, j'ai passé les dialogues sans le vouloir en pensant que ça allait être une action à faire pour se protéger. Alors, aucune importance, c'est le seul truc que je peux dire. She needs help. No. Sarah has been in the presence of the myth for too long. Even if she were to leave Darkwater, she would still hear his call. And the cult will always be here, waiting for her. Then we get rid of its members. You are out of your league, Detective. They control the whole island. She will finally surrender to his power. And the world will fall with her. Don't! No one can escape the wheel of destiny, they say. But I will change it. I will save Sarah. Ah, donc en fait, je comprends plus, c'est qui le méchant dans l'histoire, quoi. C'est lui ou c'est pas lui? Alors, après la mort de Colden, Pierce, victime d'hallucinations, a progressé dans l'Institut Riverside jusqu'à découvrir Sarah Hawkins, vivante, prisonnière du docteur Fowler. La dernière confrontation entre Charles Hawkins et sa femme aura révélé que l'homme, sous son apparence monstrueuse, tentait de protéger celle-ci de l'influence du mythe. Il a mis Pierce en garde. Si Sarah succombe à l'attrait de l'occulte, elle perdra toute libre arbitre et permettra au culte de réaliser leur plan, invoquer un ancien dieu maléfique. Désormais, Pierce doit en savoir plus sur les intentions de Sarah Hawkins et trouver un moyen de la protéger. D'accord. Ouais, en fait, on a tué le seul mec en fait, qui voulait protéger sa femme en pensant que c'était un meurtrier ou un connard, mais en fait, non. C'est dommage. Never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. My work was what lured me here in the first place. It began showing me things. You nothing. We'll leave now.
It's over now. Ah, c'est chaud. Hein. Non, vous n'allez pas seulement vous exposer de nouveau à cette influence. Alors attendez, avant de... Hop, j'ai des points à distribuer, moi. Alors, ça, je sais qu'apparemment, c'est des choses où je ne peux pas améliorer tout de suite. Psychologie... Attends, j'ai combien de points déjà à dépenser? J'en ai 10, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et ben, 1. Voilà. Comme ça, quand même, trouver objet caché, toc, donc représente votre capacité à trouver des objets cachés. Améliorer cette compétence augmente vos chances de découvrir des objets dissimulés. Un objet non découvert n'apparaîtra pas en jeu. Ouais, donc c'est pour ça. Et puis bah la force, j'en ai souvent eu besoin au final. Donc investigation, j'ai déjà à 4, comme ça ça me fait 4 4 4, et après plus tard je mettrai l'éloquence ainsi que la psychologie. Quoique d'un côté l'éloquence, j'en ai aussi souvent eu besoin, donc retirer. Je vais peut-être d'abord mettre ça, ouais. 4 en éloquence et 4 en force. Parce que l'éloquence, c'est quoi déjà? C'est l'éloquence représente votre capacité à influencer vos interlocuteurs par le discours. Oui, oui. Améliorer cette compétence augmente vos chances de convaincre ou de manipuler lors des dialogues. Non, mais je préfère ça parce que très souvent, c'est ça qui m'a fait défaut. Mince, attends. Tu fais ça. Alors, valider. Voilà, je valide. Et maintenant, attendez, c'est tac. Santé mentale. Ah oui, parce qu'en fait, il y a différents trucs. Piégé dans la folie, tac, rencontre avec... Hein. C'est les traumas mentaux. Ah d'accord, c'est tous mes traumas mentaux. Ah, il y en a encore quelques-uns que j'ai pas débloqué. Le coup de la vérité. En plus, c'est bien que j'ai mis éloquence, vu que je dois interroger Sarah Hawkins, donc c'est parfait. Mr. Pierce, we were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Hmm. Okay. You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now, I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce. But I can't come back to Boston with you. Voilà, maintenant j'ai quand même 2-3 petits plus de voilà, score insuffisant, mais je pense que ça c'est... Voilà. J'ai dû débloquer des trucs grâce à l'éloquence. Bah, je vais... Alors Charles Hawkins est mort, il y a un culte sur Darkwater, ça c'est occultisme, corps suffisant. Je vais mettre ça. You've been friends for a long time, hiding each other's secrets. I trust him. What are you planning to do? I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No. You're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. Critère de sang. Oula. Et si je dis ça, il se passe quoi? You can't give up. Even knowing the stakes.
Yes, thank you. Still, I won't let you go. What? You will stay here until I find a safe way to return to Boston. That's ridiculous. Listen, Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you. Ok, donc elle veut combattre Cthulhu en fait. Hein. Elle est un petit peu fofolle dans sa tête. Elle a un peu trop d'espoir surtout. Mais bon, alors parler à... Ah, il est où déjà le bureau de l'autre ? Mais en fait, j'ai pas trop compris son pouvoir, elle, à part peindre des peintures. Je vois pas trop ce qu'elle fait. Donc peut-être qu'elle est en lien direct avec le... Enfin, elle a, un... elle a une connexion avec... Ouais, je crois que c'est juste ça. Elle a juste une connexion en fait avec le... Comment il s'appelle ? Bah avec Toulouse et tout, mais sans plus quoi. C'était où ? C'était là ? C'était pas là ? Mince, il est où son bureau à l'autre ? Ah ouais. Ouais, non. C'est pas du tout ça que je veux faire, c'est juste trouver le bureau du gars. Je me souviens plus, et en fait le problème c'est qu'il ouais, y a pas de boussole, il y a pas de carte, il y a rien qui indique notre chemin. Non, là-bas c'est ouais, c'est là d'où elle vient. Donc enfin, c'est là d'où je viens. Ah, ça doit être ça là-bas. Le truc le plus isolé, ce serait logique que ce soit ça. Ouais. Seeing you again. Ah, it's you. I'm here for her, not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. Mm-hmm. Alors, vous avez vendu la dague à Sanders, vous devez avoir un plan, un vagabond dimensionnel. Ouais, on va faire ça. This creature, the Shambler, what is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift, a connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality, and we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. D'accord, donc c'est ça son pouvoir en fait, elle peut peindre des portails. Ok, vous devez avoir un plan où vous avez vendu la dague à Sanders. Bah je vais faire ça. The dagger with a strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more... permanent solution. It must never come back. Et ça, santé mentale trop haute. Ouais, je suis trop sain. D'accord, ok. Ouais, tant pis. A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature. And to be able to do so, I need the key to Rie. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like?
It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief, Charles, has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Ok. Ah, d'accord. Ok. Bah, ça doit... bah, déjà, il y a le premier truc ici, là. Ça ressemble un petit peu à ça. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ouais, il faut trouver la clé. Donc, ouais, effectivement, on a quand même... maintenant une véritable femme capable de peindre des portails, de faire amener des monstres d'une dimension à une autre. On a une clé à retrouver donc pour la fameuse cité donc de Rilie, et Rilie c'est la cité tombée des étoiles qui est dans la mythologie lovecraftienne, c'est là où vit Cthulhu. Donc c'est hardcore quand même. Ah, donc ça c'est pas la même statue, d'accord, il faut trouver une statuette qui ressemblerait à ça. Ah, il y en a plein exprès, donc forcément... Ah, il faut une barbe déjà. On s'en fout de tout ça, il faut une statuette à barbe. Ouais. C'est pas le moment de boire. Une statuette à barbe. Ah ah, et là, il y en a une. Ah, c'est la même que l'autre. Ok. Une statuette avec une barbichette. Mais ça peut être vraiment n'importe où en fait. Ah. Ou pas, peut-être que c'est là. Ouais. Ok. Non, là on peut pas aller. On peut pas non plus grimper, donc faut que ça soit forcément à notre niveau. Oh, c'est qui lui? Ah, c'est le... D'accord, c'est l'autre. Ouais, bon, on s'en fout. T'as bonne chance pour la trouver, la statuette, là. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit dans une zone où il faut pas aller. Bon, du moins qu'il est sombre. Pour bien faire flipper, ce serait normal, on va dire. Faut pas oublier que c'est un jeu d'horreur quand même. Et pas uniquement d'investigation. Ah ah, c'est celle-là. Ah d'accord, ouais, bon, c'est bon, j'ai déjà vu où c'était ça. Allez. D'accord, c'est un jeu de piste, hein. Sauf que ça, je l'ai déjà vu. Y'a rien de compliqué là-dedans. Ah bah voilà. Ah, c'était assez facile du coup. Ok, donc cette amulette est gravée du symbole des anciens. Drake l'appelle la clé de Rilie et assure qu'il s'agit d'un artefact d'une grande puissance. Partie sauvegardée. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ça fera quand même une trentaine de minutes. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez joué au jeu sans spoiler, évidemment. Je vais me mettre comme ça, voilà. Et ce que vous en avez pensé du jeu, donc, hein, sans me spoiler, mais dire si vous avez aimé ou pas. Moi, personnellement, j'aime de plus en plus, l'histoire a l'air assez sympa, mais donc du coup, là, au moins, petit à petit, l'intrigue commence à se dévoiler. Et on a fait une sacrée connerie de croire que le mari était méchant. Enfin, il était méchant. Il était quand même assez dur avec sa femme. Il était quand même assez un peu con quand même sur les bords. Mais pour la protéger. Mais enfin bref.
Je sais pas, j'ai pas trop compris pourquoi il était si méchant avec elle, si c'était pour la protéger, mais bon, passons. Et puis ben, évidemment, si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.